Cette année, j'ai décidé de faire un projet, de faire des cartes avec des données à jour sur la Géorgie, en utilisant des données de référence et d'écrire des articles vulgarisés sur ces données. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire une vidéo résumée des 4 premiers articles qui reprennent le contexte géorgien. Une carte sur la topographie et les régions, une carte avec les différents types de sols, une carte avec les climats en Géorgie, et la dernière carte de contexte, c'est une carte avec l'occupation des sols. Ce sera pour la première vidéo, et il y aura une deuxième vidéo qui viendra à la suite des articles sur la production végétale et la production animale. La première carte, elle montre les reliefs et donc on voit que la Géorgie est délimitée par le Petit Caucase au sud et par le Grand Caucase au nord. On a des rivières qui prennent leur source en Géorgie, qui vont se jeter dans la mer Noire, et d'autres rivières qui prennent aussi leur source en Géorgie, mais qui vont passer par le réservoir de Mingachevir et ensuite vont se déverser dans la mer Caspienne, et d'autres rivières qui prennent leur source en Géorgie et qui vont se déverser à la mer Caspienne, mais via la Russie. Au niveau des élévations, donc là vous pouvez voir l'échelle qui va de 0 mètre à 4900 mètres. Donc si on devait résumer, bah moi je dirais que la Géorgie, c'est une vallée entourée de deux chaînes de montagnes, pour faire très simple. Ensuite, je voulais faire un point sur les différentes régions. La Géorgie, c'est un pays qui est entouré par la Turquie, par l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. Donc la Géorgie possède 12 régions, dont l'Abkhazie, qui a un statut particulier parce que pour les Abkhazes, l'Abkhazie est un état indépendant, ce que la Géorgie ne reconnaît pas. Et ici, on ne voit pas la région de l'Ossétie du Sud, mais en fait, elle est entre Chidakartli et Mskretam-Tianeti. Et c'est une région où les Géorgiens ne peuvent pas aller non plus. C'est quand même important de dire qu'il y a ces deux régions qui ont un statut particulier en Géorgie. Et je ne peux pas faire de carte sans évoquer les aspects politiques, parce que forcément les deux sont très très liés. Rapidement, si on regarde cette carte avec les régions, ce qu'on peut constater, c'est que on a des régions qui vont aller toucher le Petit Caucase et des régions qui vont concerner le Grand Caucase. Par exemple, la Kharétie, elle a un bout du Grand Caucase et une grande partie de plaine. Et si on prend la région de Ratcha, Leghoumi, Kvemos, Vaneti, on voit que ça concerne principalement le Haut Caucase et on n'est pas vraiment dans la vallée. Ensuite, si on regarde les climats, donc là c'est la classification Köppen-Geiger qui est la référence en termes de climat. L'idée c'était de prendre ces valeurs. J'ai vu beaucoup de cartes en Géorgie avec des données qui s'arrêtaient à 1980 et donc je trouvais ça important de voir ce que ça donnait sur des données qui étaient actualisées. Donc là, les données, elles prennent 1980-2016. Et donc, on peut regarder une classification qui comporte 4 grandes classes. Donc les climats secs, les climats tempérés chauds sans saison sèche, les climats continentaux froids sans saison sèche, et les climats polaires. Donc bah, on voit bien, les climats polaires, ça compte principalement le Haut Caucase. Et ensuite, dans ces espaces de vallées, donc c'est là qu'on va plutôt avoir les climats tempérés chauds sans saison sèche. Ces climats, on peut les trouver en Kharétie et en Chidakartli. On voit que globalement, le reste, c'est des climats continentaux qui sont froids, mais qui n'ont pas de saison sèche. Les climats, c'est très important quand on fait l'étude de l'agriculture, quand on regarde les productions agricoles, parce que, par exemple, ça va être plus compliqué de produire du maïs si on est dans un climat continental froid que si on était en climat tempéré chaud. Donc déjà, il y a des choses qu'on sait d'un point de vue théorique, et ensuite, ça va être intéressant de regarder les données au niveau des productions végétales pour voir si effectivement ça correspond à ce qu'on observe d'un point de vue des climats. L'autre chose aussi, c'est de regarder la nature des sols. Donc là, on voit que la majorité en fait des sols en Géorgie, c'est des cambiosols, des podzols au niveau du Haut Caucase et un peu aussi sur le Petit Caucase, et des luvisols qui sont représentés en rose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les cambisols, c'est des sols qui sont caractérisés par l'absence de couches accumulées d'argile, d'humus, de sels solubles et d'oxyde de fer
et d'aluminium, et que par leur structure et le fait que ce sont des sols qui ont un contenu élevé en minéraux, ils sont généralement bien exploitables pour l'agriculture. Donc ça, c'est une information importante parce que déjà, on dit, ok, les sols, a priori, ils sont favorables à faire de l'agriculture en Géorgie. Et ensuite, quand on regarde la dernière carte de la série, donc là, ce sont des données qui sont de la mission Sentinel-2 du programme Copernicus. Ça, c'est un modèle qui date de 2021, donc c'est une carte qui est plutôt récente. Quand j'ai regardé les données de 2017, c'était à peu près la même chose. Du coup, je me suis dit, on va se concentrer sur les données de 2021. Donc on voit que l'espace majoritaire, c'est un espace avec des arbres qui est représenté en vert foncé. Ça correspond à une végétation dense de plus de 15 mètres. Et ensuite, on va avoir ce qu'en anglais, ils appellent les rangelands. Si on reprend la description qui est faite dans la présentation des données, c'est un couvert homogène sur des surfaces ouvertes avec peu ou pas de végétation, et ça peut aussi correspondre à des amas de plantes ou des buissons à l'intérieur de forêts denses. Ces espaces de pâturage ou d'amas de groupes de plantes, ça représente environ 30% de la surface, et c'est ce qui est représenté dans un gris un peu jaunâtre. Ensuite, on a les espèces de culture qui représenteraient 11% de la surface de la Géorgie. Donc déjà, ce qu'on peut dire d'un point de vue très synthétique, c'est qu'on voit qu'au niveau des sols, on a un potentiel fort en Géorgie, que c'est des sols qui sont généralement bien exploitables, mais qu'au final, on a principalement de l'espèce avec une végétation dense de plus de 15 mètres. Et cette carte, bon là, pour l'instant, je détaille pas trop. Je vous laisse aller lire ce que j'ai écrit dans l'article. Ça va être très intéressant quand on va recommencer à regarder les données de production animale et végétale, parce que les données qui sont sur les statistiques nationales, ce sont des données qui sont par région. Et ça va être intéressant de faire le parallèle avec le pourcentage, par exemple, de l'espace qui est cultivé en Carétie et l'espace de pâturage. Et de pouvoir remettre ça en perspective avec un nombre d'hectares qui est cultivé par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est vrai que c'est assez succinct, c'est une invitation à ce que vous alliez lire les articles en accès libre. N'hésitez pas à commenter les articles, j'ai un financement participatif où mon objectif c'est d'atteindre 400€, donc là je suis à 110€, donc voilà, si vous voulez m'aider et me soutenir et faire en sorte que j'atteigne les 100% sur le financement participatif, ça serait vraiment très très chouette. Et puis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours sur le format aussi. Voilà, passez une très bonne journée.